This is a final boarding call for the Aer Lingus. Fais-moi un vrai chip. Simplement chercher de la langouste pour la cuisiner tout à l'heure, c'est ça Théo? Oui. Parce qu'en fait, les pêcheurs, explique-nous, ils les ramènent tout de suite. Ils les ramènent tout de suite. On prend direct donc du producteur, direct dans l'assiette. La bombe. Incroyable. Du producteur direct dans l'assiette, ouais. Autant vous dire que... Et regardez que le producteur, c'est la mer. Regardez la sortie du bateau comme c'est beau. Les bateaux. Et après, en fait, ceux qui ont aidé, ils prennent un peu de poisson. On peut leur donner donc du poisson. D'accord. Et au fur et à mesure donc, qu'ils aident, ouais. Le nombre donc, de poissons qu'ils auront, ouais. Ils vont se les partager. D'accord. Ouais. En très peu de distance, les décors changent énormément. Mais surtout, tu dis, t'es à 5 heures de Paris, t'es complètement dépaysé. C'est grave. Les paysages sont sublimes. Le peuple, on n'en parle même pas. Ouais. Ils sont juste, c'est des amours, les Sénégalais, vraiment, c'est pas un mythe. Et la nourriture, comment te dire? une tuerie! Hey Igor! Hey Jambal! Hey Igor! Hey Igor! Hey Igor! Voilà, je suis un Sénégalais. Ils sont forts les Sénégalais. Il n'y a pas un gros, ils sont tous fit. Hein. Ouais, là, il n'y a pas d'hashtag gazouz là. Bon, c'est pas tout ça, mais nous on veut de la langouste maintenant. Hein? Tu parles français? Non. Tu parles Wolof? Wolof. Wolof, la dienne. Wolof, je connais pas. Je connais que salam alaikum. Comment on dit en Wolof merci? En Wolof, comment? Djerejef. Djerejef. Comment on dit au revoir? Au revoir en Wolof. Comment? Magnibi. Et comment on dit elle est folle? En Wolof. En Wolof. Sadjabar. Sadjabar. Folle. Comment on dit folle? Sadjekar. 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 Regarde. C'est rien. Attends. À 3. Ah, ma mère. Et elle? Folle. Ouais. Moi je dormais et elle a fait comme ça. Moi je fais comme ça. Non. Ah tu vois, faut pas faire ça, il a dit. Non. Folle. Non. Si. Moi j'ai une copine, je fais copine. La discipline d'elle est là. Mais grave. Ah mais il est là Théo. Merci. Vive le Sénégal. Le Sénégal. Bon, vraiment, c'est pour ça qu'on voyage. Le Sénégal, c'est pour le peuple, et c'est vraiment pour ça qu'on voyage. Hein. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon. Donc Théo, on a trouvé des langoustes? Oui. Pour ce midi? Petite négociation de langouste. Hey, regarde. Un petit peu de peine pour les langoustes. Ah, ça y est. T'as de la peine pour les langoustes? Je crois que ma langouste, je vais la payer, je vais la libérer. Oh, mais non, abuse pas. Toi, tu vas la libérer, mais moi, je vais la becter la langouste.
à l'ombre d'un filaos. Voilà. Donc c'est les grands arbres comme ça. Les petits points noirs que vous voyez là-bas, c'est des crabes. Ça, pour moi, c'est... Il n'y a pas... Enfin... Il n'y a pas meilleur repas que celui-là. Ouais. Sincèrement. Du riz. On a pris de la langoustine tout à l'heure sur la plage. Vous avez vu toute la scène. Vous avez vu les copines à Linda et tout. La nature. La nature. Des amis. Ses frères. Théo et... Nos frérots, Mamadou et Théo. Et vous voyez, c'est à l'image de... On est une équipe qui est à l'image de, du Sénégal. Un chrétien, un musulman, une folle et un beau gosse. Mamadou, Mamadou, c'est ça ou pas? Comment non? Il est trop gentil. C'est bon ou pas? C'est bon, ouais. Hein? C'est très bon, ouais. C'est très bon? Ouais. Sosiasa? C'est les Sosiasa. Vive le Sénégal? Ouais. Pourquoi, pourquoi les gens ils doivent venir au Sénégal? Ah, malé, les... Il y a ça. C'est super bon, hein. Alors, comment attraper un crabe? Tu fais un autre trou à côté. Ouais. Donc, tu essaies donc de lui bloquer l'entrée. Voilà. Ça. Tac. Énorme. Yeah! Trop fort, Théo. Voilà. Koh-Lanta pour lui, c'est vraiment du pipi de chat. Bon, alors, vous avez lancé un défi à Salim, c'est d'attraper un crabe violoniste. Bon, il a dit qu'il allait le faire facilement. La rigolade. Ce que je ne crois vraiment pas. Franchement, ouais, comme il est beau. Mais franchement, Salim, mais tu l'as réussi, tu l'as réussi, mais super facile en plus. Eh, hey, hey, vous et vos défis pourris. Alex, t'as attrapé un crabe? Ah vraiment, je suis épaté là. Je suis épaté, je suis un petit crabe. Bon, tu vas manger? Ça va pas m'aider au niveau de la manicure. Hold up. On a continué notre chemin, on est en fin de journée et on est arrivé près du parc de la... de comment ? Langue de Barbarie. De Langue de Barbarie. Et regardez, on est au Océan Savane Lounge. Lodge. Lounge. Lui, on... c'est tout la bouffe. Non. Lunch. Non. Lunch. Non, mais attends, on refait. Je sais plus trop. Breakfast, non ? Non, mais attends. Le gars, c'est toute la bouffe. On vient de manger de la langouste grillée, tu sais, en barbecue. Le gars, il en peut plus, là, tu vois, je peux plus rien manger. Je suis fatigué. En rapport avec la bouffe. Je suis fatigué. La première chose qu'il a demandé quand on est arrivé à l'hôtel, c'est le... Sinon, le restaurant, il est où? Non, c'est pas vrai, abuse pas. Mais fais pas passer pour un gros, je t'ai vraiment pas comme ça. C'est vraiment pas gros. Bon, allez, on est au Ocean Savan Lodge. Lodge. Et on est... Et regardez, notre logement. C'est un truc de ouf. En fait, tout ça est à nous, hein, les gars. Ouais, on a carrément un chalet sur Kaiboti, je sais pas ouais, si c'est comme ouais, ça qu'on ouais, dit. Et vous voyez, c'est sur Piloti, sur Kaiboti, ça va toi? Kaiboti, c'est les trucs là pour séparer. Donc on est tout ça sur pied dans le sable. Hein. Donc, alors c'est, le concept, c'est soit t'as un chalet, ouais. Et soit t'as une tente aussi sur Piloti, et c'est aussi pas mal. Hein, parce que nous, hier, on a dormi dans une tente mauritanienne, c'est nickel. Et on a kiffé. Hein. Exact. Donc, tu nous fais visiter? Là, on change, du coup, on fait le chalet. Allez, fais-nous visiter. Nous, on a déjà rentré nos valises, mais franchement, accrochez vos mirettes, parce que c'est juste trop beau. Hop. Bon, déjà, il y a toujours un grand lit. Toujours. Voilà, toujours. Bon, en fait, c'est toujours pour 4 personnes, hein, si tu remarques. Tout ce qu'on a fait, c'était toujours pour 4. Ouais, c'est vrai. Mais à la salle de bain. Tu sais, ça fait esprit route. Mais avec le vrai confort en fait. Grave. Tu sais, ça fait genre que t'es un c'est ça, vrai c'est ça. Voyageur ça, aguerri. Ça nous va ça. Mais en mode quand même, donne-moi de l'eau et du savon s'il te plaît. C'est en même, je suis propre. Mais rien comme c'est trop beau, c'est tout en bois et tout. C'est non, franchement, c'est joli. La vasque. Ouais. Allez, tu sais, c'est. Bon, bref, ça c'est un truc de déco. Et surtout, mais surtout. Bah, regardez, on voit pas parce que. On voit pas parce que. Mais en fait, regardez du lit. Du lit. Regardez, je suis sur le lit. Attendez, je vais vous montrer. Et la vue, c'est ça, hein. Vue du lit, hein. Regardez. Ouais, mais et là, vous voyez pas, mais regardez, je vais vous montrer. Attention, Linda, ouvre. Wow. Voilà. C'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Et regarde la petite terrasse. Et regarde, tu peux prendre ton petit déj ici, au bord de l'eau.
donc c'est pas un truc de malade. On est bien, non? Ça va, on peut faire mieux. Voilà. Ah, franchement, on est au top. Franchement, là, on est vraiment au top. Donc voilà, Ocean Savane Lodge. Voilà. Allez, maintenant, on va se laver et tout, je suis au bout de ma vie.